Depuis plus passé yon mois, Haïti recibay République Dominicaine yon vraie réponse diplomatique. Nan langage ancien président Jovenel Moïse, nap di Haïti bay République Dominicaine, Haïti bay Abinader, yon ti tap sou domè. Mais nan langage la ri, en bon jan haïtien, nap di Haïti bay République Dominicaine, yon bon doum gaz. Haïti fout dominicain, yon bon doum gaz. Et c'est une des raisons, nous pral wè dominicain, nous pral wè gouvernement dominicain, l'État dominicain mandé enragé. Et c'est à partir de déclaration diplomatique, de position diplomatique officielle que l'État haïtien prend là, canal la pap campé, que République Dominicaine, l'État Dominicain, yo fâché, yo estomaqué, yo mandé enragé et même fait gros menace. Menace que nous pas supposé prendre à la légère, menace que nous supposé considérer. Déclaration autorité à nous pral partager là avec vous et après ensemble nous pral analyser puisque m'a tonne réflexion pa ou, m'a tonne position pa ou, parce que journée aujourd'hui en tant qu'haïtien, en tant que moun qui vle wè on demè million nan pays, en tant qu'haïtien kap bataille pour changement, que en Haïti, que nan diaspora, nous supposé faire un faisceau, nous supposé mettre tête ensemble pour nous répondre dominicain yo. Nous supposé mettre tête ensemble pour nous voyons réponse by Luis Abinader. Nous pral dou exactement qui ça lié. Semaine prochaine, pays Kenya a Haïti, c'est j'entende là. Yon l'autre délégation kap soti dans pays Kenya a bien pour atterrir sous sol haïtien. Côté, yon pral continuer chita parler avec la police nationale d'Haïti avec autorité concernée yo. Nan l'idée pour font évaluation avant date 26 octobre arrivé, côté yon pral gagner pour yon porter devant Conseil sécurité Nations Unies, travail de terrain yon organisé yon fait pour permettre déploiement force multinationale. Eh bien, nous pral rentrer dans l'information, mais sans perdre du temps, nous avons profité de saluer chaque grain haïtien, chaque compatriote, nous yon pot kotoye sous la terre bénie. Eh bien, dépoussé haïtien, nous sommes famille, nous avons les épaules pour yon demain mieux. Jeudi, c'est vendredi 13 octobre 2023. Déjà, nous avons un très bon week-end. Veillez côté wap met pio même en temps de guerre. Yon week-end retour week-end, nous pas négocier week-end non pour un rien. Et avant même nous rentrer dans l'information, nous pral prendre son la rien, nous pral faire tension frontière là. Nous yen correspondant nous depuis Wanament, Junior Robert, Jif Pod. Nous pral profiter, passer un appel, ballon coup de fil pour nous connaître exactement qui sa bagay yoye, puisque nous apprenons, genye magistrat d'Abon dans Santiago Riveron, qui débarque sous frontière là, qui vini, qui a fait figil bien triste, li presque fait gel, fait te pour te mari, presque crié, parce que yo wè haïtien pas vin acheter, bien jodi an la, dominicain yo louvri tout de bon frontière, yo tout de bon barrière yo sous frontière là, pour yo mande haïtien, pour yo mande et faire yo grâce, vin acheter, vini. Eh bien, nous pral regarder qui sa bagay la ye avec Junior Robert depuis Nawanamet. Moi je souligne avec moi Junior Robert Jif Pod Hit TV qui se correspondant nous depuis Wanamet qui pral ba nous quelques détails puisque nous wè et République Dominicaine obstiné pour ouvrir marché yo après et plusieurs calotte marasa yo prend là côté depuis mercredi ap ton pour haïtien vin acheter et ti mari pa monte ti mari pa descend et bien jodi an là nous pral faire la ronde et du marché ou bien baronné et de la frontière Jean nous ka di là pour nous garder qui évolution qui gagne est-ce que gagne haïtien et qui a l'acheté comment ça y et Junior comment est en forme bon nous en forme là bon nous en forme nous exactement sur frontière là n'a sur évolution et activité. Et hier nous apprenons qu'il y a une réunion qui t'a fait entre Haïti avec quelques dirigeants et dominicain. Comment ça y est? Est-ce que il y a possibilité pour ta permettre que machin qui gagne ti bagaille ta vendre dans République Dominicaine dans marché d'abonnement? Est-ce que il y a possibilité qu'on couloir y a ouvrir pour permettre que moun al récupérer et marchandise? Comment ça y est? Bon, jusqu'à présent pourquoi qu'il y a une décision qui prend pour ça? Parce que après rencontre là et autorité dominicaine qui voulait
pour marchandes à vérifier les marchandises. Mais pas jamais quelqu'un qui dit il y a 400% de marchandises. Eh bien, bon côté par les autorités locales, vous dit bon, ça n'est pas nécessaire pour nous, il y a qui aime bien les frontières à faire bien. Parce que si que nous estimons que automatiquement, la chaîne est en train de nous faire une photo, c'est qu'on est haïtien qui rentre à l'acheter, tout le bagage. Eh bien, bien compté, mal calculé, l'autorité locale pour décision pour ne pas quitter aucun monde à l'entrée. Et maintenant là m'a regardé moi ouais et on dirait que barrière principale est dominicain sous bon frontière yo a on dirait que barrière ça li ouvri et pour qui ça selon ou même yo ouvri est-ce que c'est possibilité qui gagne pour quitter machine haïtien qui était en dans la frontière dominicain dans bon dans Dabon est-ce que c'est pour ça yo l'ouvri li comment ça y est bon nous quand même sont on va faire des colère parce que après chaque fois pour au premier barrière pour de l'eau, oui. Et pour Haïtien, tu as acheté pour alimenter seulement. Et autorité, ils ont défendu ça. Ils n'ont pas accepté. Et bien, matin, journée là, ils ont bien bonnet là, ils ont ouvert les frontières. Et pas qu'ils ont sous qui pas de l'eau, mais ça qui est intéressant, nous parlons d'un Haïtien qui a fait un appel de la qui vient à l'acheter avec le nouveau. Parce que, et puis tout, on se faisait sécurité qui est enragé là, parce que tous les commissaires là, ils n'ont pas accepté pièces pour le championnat. Pour que même là où les drones vont avoir une image, pour faire connaître que c'est Haïti qui a boumé pour entrer. Et si tu n'as pas été devant Frontière là, après Frontière Blanche, et dans ce moment-là, on a regardé, il y a quelques Haïtiens qui ont sorti seulement avec le Dominicain. Ok. Moun yo déporté ou bien moun qui retourne volontairement? Non, c'est moun qui a gagné volontairement. Mais où dit que tous deux commissaires yo là yo sous place et yo sous place yo déployé policiers polifront l'autre unité dans la police est-ce que c'est présence la police qui fait que moun yo pas vini sous frontière là ou bien que pa gen moun même tout moun rete la caillou tout moun aller vaquer activité yo non pour là yo là mais c'est pas yo parce que pour ta écrire mon empêcher mon yon de faut pas qu'on pour non pas à côté nouvelle là pas gagner pas gagner pour la même c'est seulement condition qui capable une frontière donc mode de l'al passé ferme net mon yo fois ça si nous bien comprendre haïtien yo vraiment mobilisé yo vraiment motivé pour frontière l'arrêté fermé pas gagner reprendre pas gagner moun et qui a cherché faire forcing avec la police mais te gon dossier République Dominicaine t'a fait lobby sous li ou fait propagande sous li la caillou et comme quoi gagner pile haïtien qui a acheté produit dans contrebande est-ce que au niveau local gagner des dispositions qui prend pour contrôler en basile dans rivière côté yo di haïtien qu'on a passé comment ça y est bon moi mais spécialement de parler avec le commissaire il y a plus d'agents qui qui va appuyer sur tout le point rivière. Et bien, maintenant, là, je suis en train de faire un peu de temps. Et moi, à 10 ans, je suis en train de faire un peu de temps. Et moi, je suis en train de faire un peu de temps. Et je suis en train de faire un peu de temps. Et je suis en train donc m'content mesure ça reprend parce que pendant la bataille pour conscientiser moun yo faut nous veiller tout moun qui pas ka kembe yo et junior hier moi remarqué et magistrat d'Abonne et Riveron et ça t'a fait faire frontière là parce que m'a regardé li dans vidéo côté que et magistrat a presque crié magistrat arrive sur frontière là désolé perdu espoir comment ça y est est-ce que nous gen feedback commerçant dominicain ou association commerçant dans Dabon yo et ou pas gen information sur réaction yo par rapport avec haïtien qui pas rentré vin acheter et bien présent sur ce en frontière avec la bagaille parce que son ne cap prend plus pression chaque jour parce que tout connaît que marché dominicain qui pose sur haïtien si haïtien pour financer pour faire ouvrir l'argent automatiquement pas 2 semaines 3 semaines pas haïtien pas appris et d'un coup on a couru. Je suis en train de faire des choses.
On parle de machine haïtien qui a payé 100 pesos chaque jour. Chaque jour, Et par rapport avec situation ça et Junior, parce que nous prenons fini, nous prenons quitter aller et faut nous rester connectés pour nos jeunes évolutions. Et qui dernière mesure qui prend par bon côté mairie ou maintenant par bon côté magistrat Demetrius lui-même et avec association marchand qui t'a vendu en République Dominicaine qui perd du marchandise, qui ça la mairie décide de faire pour mander l'État dominicain, pour mander magistrat d'abonnement, pour moun sa yo, affaire yo perdu, affaire yo boule dans marché dominicain, que dominicain boule encore. Qui disposition qui prend pour moun sa yo joindre remboursement pour yo remettre moun sa yo l'argent yo back? Est-ce que vous avez un feedback sur ça qu'a réglé dans moment là? Même là, je suis content de dire ça, ça va être pour moi, ça va être pour ça. Bon. Même si tous les trois battent là, nous allons jouer quand même. Si que le match ne va pas être, ça va être une question. Vous avez fait toutes les décisions qu'on a prises, on a gardé les décisions. Sur les civils là, quand on a cette autorité de pression, et puis nous allons toujours faire des décisions là, des décisions toujours présents, mais même les décisions là, maintenant là. Enfin, avec les congrès qui viennent d'être ensemble, et puis bon, mais qui n'a pas qu'à accepter ce frontière là, même si les machins de l'ondre, je pense que les gens respectent Haïti, les bagages, pas pour les gens, pas pour les gens, pour moi, je ne sais pas si j'aime gré. Mais c'est pour ça que ça a fait sous autorité locale, avant même de rentrer à le vendre à l'acheter, Dominicaine, je crois qu'il y a un chita, pour autorité, on peut dédommager chaque machin qui peut, les machins qui peut, mais en rien pour les magistrats. Rien pour qu'on dise. Bien, pas de problème, Junior, et merci pour l'information. Ça yo. Et n'a prêté connecté pour nous voir qui évolution qui a fait dans un dossier marché d'abonnement, dans un dossier frontière dominicain qui ouvrit pour Haïtien à l'acheter. Merci en pile, passez bonne journée. D'accord, pas de problème. Merci. Je n'ai pas gardé là, donc avoir tristesse et marqué sous visage et magistrat dominicain. Et ça c'est magistrat Rivero qui vient visiter et barrière marché. Et bien j'aime c'était annoncé depuis hier et la pauvre frontière, la pauvre marché porte barrière marché pour tout haïtien qui rentrer venir acheter. Et bien monsieur vient passer visiter, vient regarder comment ça est. Et bien saisissement prendre monsieur campé dans coin là, la réfléchir parce que yo même yo l'ouvri frontière par yo, l'ouvri barrière par yo, et bien bon haïtien a été fermé et autorité dit pas ka gen barrière comme ça. Yo grand moun la kayo, nou grand moun la kay nou. Et bien c'est ça et qu'a passé dans moment là, monsieur vini là. Monsieur déboussolé, j'en ai regardé dans vidéo là, monsieur et nous senti dans visage monsieur son nek qui senti paniqué parce que nous connaissons et population dominicaine a banné yo pile pression parce que pour nous bouche fermé frontière sans pas pour qui réseau fermé. Et bien bagarre la virer dans main yo et en pile déficit a fait dans camp yo. Et monsieur vini là matin là, j'en ai regardé là monsieur. Monsieur gain problème et frontière haïtien pas l'ouvrir. C'est ça n'a pas, ça c'est magistrat et d'abord nous. Et mes amis et frontière et pas République dominicaine n'a ouvert. Magistrat présent nous remarqué et dans bon pas haïtien était fermé. Il y a plusieurs autorités locales qui présent sur frontière là en pile dans unité pour la police qui présent. Et mais sauf que barrière a toujours été fermée et j'en sais j'en annoncé là et si on regarde l'autre bon barrière bleu rouge là nous remarquer et barrière de yo l'ouvre frontière mais pour qui est-ce juste à présent son question nous ta rien mais joindre une réponse parce que nous pas remarquer un grain de machin sous frontière là mais nous remarquer et frontière et nous donner maintenant l'ouvre dans moment là. N'a regardé là toute autorité là donnant l'air image à fait et yo l'ouvri frontière par yo.
Nous, c'était Junior Robert, Jifpod, qui lui-même se correspondant nous depuis Nawanamet, qui tape nous détails sous évolution qui gagne et sous frontière là. Parce que Dominicain yo là, yo tellement obstiné. Dominicain yo décidé là, m'a l'impression si yo te kapran haïtien, kidnappé haïtien, mette yon dans l'autre bord frontière pour une acheter nan mer yo ta fait. Parce que vraiment désespéré, yo ouvri tout de bon frontière, yo tout de barrière yo nan moment là, dans l'espoir pour yo ton haïtien vin acheter. Donc il était important pour nous te fort konnen ki évolution ki gen. Ti mari pap monte, ti mari pap descend, ferme net ou te ferme unilatéral kon yo décidé ouvri li, kon yo wè c'est haïtien ki yo même yo décidé yo pas vin acheter. Et pour nous forcer haïtien vini nous mettre du feu, nous wè rien pas marcher pirède. Donc là on pensé Abinadel a réfléchi à deux fois parce que gagnon gon façon beau sale ou monter son moun. Lò pensé bagay la t'a pral douce pou, lò gade wè c'est sou récif ou monter, même moun sa ou t'a di grand goût. Même moun sa ou t'ap traité de tous les noms, tout vie bagay c'est nous même li semblé, c'est Haïti li semblé, c'est Haïtien li semblé. Et bien journée jodi an c'est yo même k'ap crier, c'est yo même k'ap plaignent. Sans perdre du temps mes amis, on nous rentrer dans information pour jodi an là puisque bruit clashage coulé bagay en pile point important pour nous wè jodi an dans émission. Hier jeudi 12 octobre 2023, conflit qui opposait Haïti à République Dominicaine là, l'ité nan ron sante là, l'ité sous table Conseil permanent OEA. Ça nous relé organisation état américain que Haïti c'est pays membre là-dedans. Eh bien, République Dominicaine par le biais de ministre affaires étrangères dominicain Roberto Alvarez, eh bien te recevoir l'autre président li, président Luis Abinader côté que yo te mandé pour côté Abinader te mandé pour Roberto Alvarez traîner Haïti devant OEA, traîner conflit canal là, conflit rivière massacre là devant OEA pour OEA dire un mot dans dossier là. Eh bien sans ou pas bois, nous gagnons représentant permanent Haïti dans OEA qui c'est Léon Chol, ancien DG la police hein? Indépendamment de tout différent, de tout problème nous avons avec Léon Chol. Léon Chol, c'est lui-même qui représente permanent Haïti dans OEA. N'a pas quitté ça là. N'a pas avancé. Eh bien, par rapport avec la situation, ça, gagne secrétaire général OEA, Luis Almagro, qui te décidé, Jean République Dominicaine te mandé là, yo convoqué yon réunion à l'extraordinaire, pressé, sans perdre du temps, pour traiter dossier haïtien, pour traiter dossier canal là. Mais, qui sa Dominicain yo fait, de point de vue préalable, depuis en l'est Dominicain yo, depuis yo arrivé dans réunion, avant même que yo te débarqué dans réunion, c'est menti net kap bay sou Haïti. C'est menti Dominicain yo a fait net sou Haïti. Premier gros menti République Dominicaine fait sur Haïti, c'est depuis en mai 2021, côté que commission mixte qui gagne Dominicain, qui gagne Haïtien, qui tape travail sous canal, qui tape travail et prise nous tape prendre rivière massacre, côté que République Dominicaine te reconnaît, te affirme que travail construction a fait sous rivière massacre depuis sous président Jovenel Moïse li pas dommageable pour République Dominicaine, li pas porter des effets négatifs pour rivière massacre, li pas porter des effets négatifs pour paysan dominicain yo, son travail qui respecte normes, son travail qui respecte principes, travail canal là qui a continué. M'a parlé nous là depuis 2021. Et pourtant toute décision que Abinadel a pris depuis 4 septembre 2023, c'est des décisions qui contraires avec ça que tu dit en 2021. Depuis là, on peut comprendre que l'État dominicain, que l'autorité dominicaine, yo, sont pas qu'être audacieux, sont pas qu'être menteurs, sont pas qu'être bluffeurs, sont pas qu'être coquins. Pour yo chercher des avantages à Haïti, pour yo tirer profit de rivière massacre comme si c'est bien maman ou bien papa ou lié pour quoi, eh bien, yo vini avec l'autre version. Et qui sa version ça y est, eh bien, n'a volé de l'eau dans rivière massacre. De l'eau n'a pris, canal n'a construit, elle va respecter norme, canal n'a construit avec les effets négatifs, yo bay toute qualité parole sous do Haïti, sous do haïtien, sous canal là, pour ka forcer canal là camper, pour ka mettre opinion publique internationale là dans bo pa yo,
nan kampayo pou forse Haïti, pou forse Haïtien kampe kanal la. Eh bien, nan prise de parole que ambassadeur permanent nan OEA Léon Charles te pran, eh bien, gen an pil compatriote Haïtien ki yo même yo favorable avec position Léon Charles. Ki décision l'état haïtien prend en moment là dans dossier canal là. C'est pas Jean-Riel te fait dans tribune Nations Unies côté il était seulement reconnaître droit légitime haïtien gagné pour yo prendre l'eau dans rivière massacre pour yo construire et canal. Mais là non ya bagay là différent. Devant secrétaire général Luis Almagro bagay là fait yon l'autre gens. Et gagné déclaration Léon Charles qui t'a pral lever toute plume sous de Roberto Alvarez. Et c'est à partir de déclaration Léon Charles que ministre Affaires étrangères dominicain li t'a pral menacer ouvertement directement peuple haïtien pays d'Haïti devant tout le monde. Avant même nous rentrer dans déclaration autorité dominicaine yo dans menace dominicain dans menace ministre Affaires étrangères dominicain dans menace pays Abinadel fait sous Haïti fait contre haïtien. M'pral fè entendre yon court résumé de déclaration Léon Charles nan OEA suite avec réunion qui t'a organisé qui te mette face à face République Dominicaine avec Haïti. En entendre. Alors la position du gouvernement haïtien en présentant et en décrivant l'ouvrage de dérivation le 27 mai 2021. À la fin de la rencontre, les deux parties ont signé une déclaration conjointe stipulant notamment dans ses considérants. Il est établi le droit pour les deux nations d'utiliser les eaux des rivières qui se trouvent dans la zone frontalière de manière juste et équitable. Le 7 juillet 2021, malheureusement, les travaux ont été interrompus avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le mercredi 30 août 2023, des agriculteurs de la plaine de Bamaribaou ont entrepris la poursuite des travaux de raccordement du canal. Le 1er septembre 2023, le Premier ministre Ariel Henry a dépêché une... L'armée dominicaine a fait une démonstration de force en mobilisant des engins lourds sur cette partie de la frontière. Le mardi 13 septembre 2023, les gouvernements haïtiens et dominicains ont décidé de commun accord de se réunir à Santo Domingo à travers la table hydrique binationale de la commission mixte bilatérale afin de trouver une solution juste et définitive à ce différend. Le 14 septembre 2023, alors que les deux parties étaient en pleine négociation, un décret présidentiel a été promulgué par le gouvernement dominicain mettant à exécution les menaces proférées 3 jours plus tôt, de fermer les frontières terrestres, aériennes et maritimes avec Haïti. Ces mesures unilatérales ont amené la délégation haïtienne à mettre fin aux négociations bilatérales en cours. Monsieur le Président, chers collègues ambassadeurs, la construction du canal ne va pas s'arrêter. En regard de la topographie de la rivière Massacre, d'une part, ainsi que de la lettre et de l'esprit de l'article 10 du traité du 20 février 1929, d'autre part, le gouvernement haïtien clame son droit d'utiliser de manière juste et équitable les eaux de la rivière Massacre, rivière frontalière et successive, alimentée par des affluents des deux pays. La situation actuelle, caractérisée par la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que la mobilisation de troupes militaires du côté dominicain n'est profitable ni à la République d'Haïti, ni à la République dominicaine. Il y a une urgente nécessité de calmer les esprits et de prendre des mesures concrètes pour une désescalade. Haïti condamne fermement l'utilisation de la menace, des manœuvres d'intimidation et de la désinformation qui ne sauraient se substituer au respect des engagements internationaux. Le gouvernement haïtien exprime sa grande préoccupation face à l'intransigeance des autorités dominicaines.
Il condamne fermement leur récente décision d'agrandir le canal de la Vihia avec l'intention officiellement affirmée de dévier complètement les eaux de la rivière Massacre afin d'en priver les utilisateurs haïtiens en violation flagrante du traité de paix, d'amitié, d'arbitrage du 20 février 1929. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. La République dominicaine doit reconnaître le droit des deux pays à utiliser de manière juste et équitable les ressources en eau partagées de la rivière Massacre. Conformément au terme de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage du 20 février 1929 et aux normes internationales en la matière. Le problème actuel concernant la rivière Massacre, sans sous-estimer les conséquences de sa gestion irrationnelle, paraît être un dossier mineur et une distraction par rapport aux grands défis communs auxquels doivent faire face les deux pays. Car les voies de résolution claires et précises sont déjà prévues dans le traité subventionné. Monsieur le Président, la construction du canal ne va pas s'arrêter. Le gouvernement haïtien réaffirme le droit du peuple haïtien à un usage juste et raisonnable des eaux partagées et s'engage à travailler avec toutes les parties prenantes locales pour la réalisation des travaux dans les règles de l'art par les entités qui ont les compétences techniques et légales pour ce faire. Le gouvernement haïtien lance un appel à la sérénité et réaffirme la volonté de continuer à travailler afin d'obtenir une solution définitive aux différends sur l'utilisation des ressources en eau de la rivière Massacre et à poursuivre en ce sens les discussions alternativement en Haïti et en République dominicaine. Elle réitère son invitation transmise par la note en date du 15 septembre 2023 du ministère des Affaires étrangères adressé au ministère dominicain des Relations extérieures, à reprendre les négociations. Le dialogue est un élément essentiel aux relations de bon voisinage. Monsieur le Président, la construction du canal sur la rivière Massacre est depuis quelques années l'un des sujets faisant unanimité au sein de la population et de tous les secteurs en Haïti. Les Haïtiennes et les Haïtiens, en solidarité avec la population du Nord-Est et plus particulièrement la communauté de Wanamet, parle d'une seule voix quant à la poursuite des travaux. Nous dit KPK, canal là, pape campé. La construction du canal ne va pas s'arrêter. La construction del canal no va parar. Le gouvernement de la République d'Haïti réclame le respect de l'intégrité de son territoire sans faire le compte rendu exhaustif de la situation de nos compatriotes en terre voisine. Le gouvernement appelle aussi à la protection de ses ressortissants et au respect des conventions internationales en la matière. Il réitère également l'appel au dialogue entre les deux parties. Nous avons tout problème avec Léon Charles. Nous avons gagné divers contentieux avec lui. Nous pas oublié, nous songer tout bagaille. Mais là, son l'autre version, mais là, son l'autre dossier. Il s'agit de l'intérêt national. C'est l'intérêt pays qui t'a défendre dans OEA. C'est l'intérêt canal qui t'a défendre dans OEA. Tout le petit problème nous gagne avec Léon Charles, nous ouvrons petit wa nous font petit déposer, nous pas oublier, nous font compromis pour nous gérer question pays, pour nous gérer question souveraineté nationale, pour nous défendre intérêt canal. Léon Charles, il a assumé. En tant qu'ambassadeur permanent d'Haïti à l'OEA, il a assumé et il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Canal là, pap campé. Et c'est pas seulement beau créole Léon Charles du canal là, pap campé ou bien et le canal ne va pas s'arrêter et Jean le dit bagay li, li bay li nan langue dominicain yo, nan langue Abinader, nan langue Roberto Alvarez qui c'est ministre affaires étrangères et République dominicaine qui était là qui était venu défendre position République dominicaine dans dossier canal là. Léon Charles campé. En tant que représentant pays d'Haïti,
En tant que moun qui te vin parler pour construction canal là, qui te vin défendre travail qu'a fait sur rivière massacre là, li dit exactement ça elle te doit dire. Maintenant, automatiquement Léon Charles fin prend position et c'est pas le canal là pas camper. Ah oui, qui lève plume sous dos République Dominicaine, qui lève plume sous dos autorité dominicaine yo. Moi j'ai l'impression si réunion ça t'a fait non l'autre côté et pas en dedans royal t'a fait. M'bo garanti Roberto Alvarez, ministre affaires étrangères dominicain, li tap vini, li tap marché sous Léon Charles pour venir souffler Léon Charles. Comme on connaît Léon Charles ancien militaire, m'on connaît ses karaté calibre, nèg yo ta dégagé yo. Parce que m'a regardé à qui frustration, m'a regardé niveau Jean autorité dominicaine ça énervé, Jean le fâché, Jean le contrarié jusqu'à ce que le campé ouvertement. Li fait menace avec Haïti. Li fait menace contre peuple haïtien et c'est pas menace nous supposé prendre la légère. Roberto Alvarez, j'en a regardé individu ça là, a regardé citoyen ça là, li campé, li déclaré que après déclaration irrationnelle et inacceptable. Tant que ti moun ki rete avec. Bon fin di nou ki ça le dit. Lizia après déclaration irrationnelle et inacceptable que ambassadeur Léon Charles fait dans réunion conseil permanent OEA que l'État haïtien a responsable n'est pas tragédie passée. Que l'État, c'est l'État haïtien, c'est pays d'Haïti qui a gagné pour le responsable n'est pas drame, n'est pas tragédie qui passe. Automatiquement, je fin temps de déclaration Roberto Alvarez, je commence à poser tête mon question. C'est pas n'importe moun qui campe qui dit ça Alvarez dit. C'est pas n'importe, c'est pas un citoyen lambda, c'est pas un individu XYZ qui campe qui dit que l'État haïtien a gagné pour accepter l'État haïtien a responsable n'importe tragédie qui passe, l'État haïtien a responsable n'importe drame qui passe. Première question me poser tête moi l'homme fin temps de Roberto Alvarez. Moi dit moi le autorité campé nous non conflit un conflit ouvert et puis on pourrait autorité pays qui hostile pays agresseur c'est République Dominicaine qui c'est pays agresseur c'est eux même qui pas agresser Haïti hein c'est eux qui fait agression sur nous li campel dou que l'État haïtien c'est seul responsable n'est pas tragédie n'est pas drame qui passé premier bagarre doit dit tout de qui tragédie la parler. De qui drame la parler? Est-ce que Dominicain yon planifié yon lot massacre? Est-ce que Dominicain yon planifié yon invasion? Est-ce que Dominicain yon planifié yon m'pa konnen un crime contre l'humanité, un crime de guerre contre Haïti? Qui sa bagay lan ye véritablement? Et c'est une des raisons moi dit nous, c'est pas une menace pour nous prendre la légère. C'est pas une menace pour nous juste dire Roberto Alvarez dit Haïti a responsable n'importe drame n'importe tragédie passé. Nous gen compatriotes nous en République Dominicaine, nous gen frères, nous gen sœurs, nous gen amis, nous gen famille en République Dominicaine, nous gen bien en République Dominicaine. Donc le Roberto Alvarez li campel di bagay la comme ça le font pareil déclaration comme ça. Nous supposé prendre déclaration pour salir. Nous supposons chercher tout petit trou vide, nous supposons considérer divers paramètres possibles parce que nous dans combat, nous dans la guerre. Yo se prise n'a prend dans rivière. Premier petit canal n'a fouillé. Nous pas jamais menacé Dominique, nous pas jamais menacé Abinadel. Nous pas jamais menacé pays qui gagne 11 prises dans canal là. Yo se canal n'a fouillé. Dominicain, République Dominicaine fait menace. Yo fait intimidation, yo ferme frontières, yo agressé et compatriotes nous qui vivons en République Dominicaine, yo humilié nous, yo fait nos paquets de bagages juste pour un simple canal. Et puis qu'on y a pourtant des ministres affaires étrangères dominicains pour le dire que n'importe ça crivé, c'est haïtien qui est responsable, c'est l'État Haïti qui est responsable, n'importe drame, n'importe tragédie. Et c'est une des raisons dans commencement émission moi dit ou faut qu'on participer. Faut qu'on ka prenne position, faut qu'on ka ou même tout ou essayer comprendre
ça qui caché derrière et déclaration Roberto Alvarez. Qui ça Roberto Alvarez voulait dire selon vous-même? Parce que qui ça crivé? C'est la République Dominicaine. C'est président Luis Abinader qui t'est passé l'ordre pour déployer sous frontière li hélicoptère de guerre, pour mettre, pour déployer chars blindés, pour déployer gros tanks, pour déployer l'armée sous frontière, font paquet de mascarades, font paquet de grimaces, pour intimider nous, vous comprenez, pour menacer nous, etc. Nous pas dans guerre. Jean République Dominicaine, Jean Abinader t'a fait bagarre, moi-même, le conflit en fait commencer pour question canal, là, m'pense Dominicain bombardé, ou t'a pas bombardé nous. M'étais tellement peur pour moun kap travail dans canal, là, parce que le m'a gardé avec qui agressivité, quantité camion soldat kap déployé chaque jour sous frontière là, quantité militaire kap déployé chaque jour au canal là. M'étais toujours peur pour pas de gon drame, pour qui ça parce que avec force avec intensité Dominique a poté bourré sous nous, Abinader a poté bourré sous nous, moi même ça t'ai laissé à désirer. Qui ça Dominique a dit? Si yo dit nous menacer nous, peut-être nous menacer yo. C'est parce que nèg yo ka peur les gagner ou gang mambo qui vini tracer verve faire cérémonie. D'ailleurs, nous parlons sous territoire, nous parlons pas arriver dans territoire, nous sommes dans la limite. Nous. Tout ça nous fait dans la limite. Nous. C'est canal n'a fouillé, c'est travail n'a travail sous rivière massacre. Nous pas jamais intimidé Dominicain, nous pas jamais emmerdé Dominicain, nous pas emmerdé Abinader. Pour qu'on y a, pour nèg yo dou, n'importe drame qui passe, n'importe tragédie qui passe, c'est nous qui sommes responsables. Jean Dominicain a fait là, Jean Abinader a fait là, comme si. Abinader, gon ti moun qui rete la kali, il gon ti fi rete la kali, il dit le pas sorti. Pas sorti, pas nan parler à ti garçon. Et puis, qu'on y a, ou même, ou comprenne, ou sorti, ou décide de prendre grand moun, ou sorti. Et puis, qu'on y a, l'or vinil dou, qu'on aime bral ron flow, ou qu'on aime bral marcher sous fiel, ou c'est ou la cause. C'est ou la cause, m'bral pilon non, c'est ou la cause, m'bral malmen non, c'est ou la cause, m'bral maltraito. Si m'bien comprenne, c'est ça, Abinader vle faire passer comme message. C'est ça, ou vle faire passer comme menace, comme intimidation. Yo pense que nous autres haïtiens nous pral prendre la main yo. Moi même dit Abinader et c'est pas seulement moi, peuple haïtien envoie message clair ba Abinader. Déclaration le fait, li fait pour permettre que yeux nous ouvri, pour permettre que j'ai nous calé, pour permettre que nous comprendre journée jodi an, nous gon pays pour nous construire. Nous gon pays pour nous bay manger, nous gen terre, nous gen de l'eau, nous ka travail, nous voulons travailler la caille nous. Donc, message en li clair pour Abinader, que vous acceptez ou que vous pas acceptez, Haïtien pas de jamais tirer ça avec ou nous pas de jamais esclave la caille en République Dominicaine. Donc, c'est ça que fait m'vle chaque gen Haïtien pour prendre position dans le conflit ça, prendre position dans le dossier canal ça, prendre position pour payer. Mais automatiquement que réunion fin faite, automatiquement que secrétaire général OEA, Luis Almagro, fin dans les deux parties, yo, eh bien, OEA, yo décidé, yo proposé pour yo voyer une mission d'experts en droit international et des spécialistes en non pour évaluer construction canal. Mais tout y a voyé, yon mission d'experts juridiques pour yo garder par rapport avec sa traité 1929, sa traité de paix d'amitié et d'arbitrage 1929, là, li di, est-ce que li respecte normes, est-ce que li respecte principes yo? Mais m'a tout dit nous dès le départ que OEA li pa genye, aucune décision OEA pa genye force contraignante pour Haïti parce que son comité d'experts yo pral voye. Comité d'experts ça qui pral genye pour vini sous canal là, qui pral genye pour étudier ça qui dit dans traité 1929 là. Nous pas tenu pour nous couper, pour nous baisser tête ou bien pour nous juste appliquer à la lettre recommandation yo pral fait ça yo pral dit nous. Je vais prendre un exemple simple. République Dominicaine, j'ai plagé à Delante là, il est évident que yo pral payer des lobbyistes, yo pral faire lobby au niveau de pays, le pays membre OEA pour regarder comment yo ka influencer décision, comment yo ka influencer expert. On nous considère hypothèse 1. Mission d'expert, la commission d'expert là ta vin Haïti. Li ta débarqué sous rivière massacre, li débarqué sous canal là, là regarder travail yo. Et puis, yon ta do, travail la, gen kek ti fay technique, travail la 10, travail la date, et puis, nan recommandation, yon ta di, oh, pour canal la campé, en attendant que canal travail reprenne, ceci, c'est là. Koun yon ki sa nous ta fait, nous ta pas accepté, nous ta d'accord? Parce que c'est ça, Dominique, yon ap cherché quelque part.
Yo ap cherche pou République et pour OEA ou bien pour Nations Unies ou bien si yo ta dou que yo pralé dans l'autre organisation régionale yo pour mande médiation pour mande on chita parler et leurs recommandations faites les rapports sorti pour yo dit faut qu'Haïti suive recommandation nous pas tenu pour nous suivre aucune recommandation recommandation li la li fait nous je non bagay ki positif la dan la pral. Si tout ça qui nan recommandation c'est des bagay ki négatif ki pral di pou canal campé n'ap tout di Luis Almagro n'ap tout di OEA ak tout abibi al chèche an kote yo met koyo parce que nous même la kay pa nous pa vinn pran l'autre nous pa vinn pran dicté d'ailleurs OEA pa gen pou vinn foure bouchi nan rien c'est pas élection k'ap fait m'konnen les élections yo vinn choisi président m'konnen c'est les élections yo vinn décider qui est pou yo meté hein. Donc là, l'important pour nous vraiment est fixer position nous par rapport avec mission d'expert ça que OEA bien pour le voyer en Haïti. Oui expert Kavini, oui expert Kavini vient garder ça qu'a fait yo, mais nous pas gagné pour nous assujettir avec aucune recommandation que OEA après le sortir après le prendre dans les jours dans les mois à venir. Et bien suite avec menace République Dominicaine, suite avec position Léon Charles comme ambassadeur permanent OEA et Haïti à OEA, suite avec comité d'experts que Luis Almagro, qui est secrétaire général OEA, a bien pour voyer en Haïti, eh bien, gagné un responsable juridique qui lui-même qui toujours paraît pour le proposition dans dossier canal qui toujours paraît pour le mettre dominicain dans limite pour le classer Abinader et bien gagner et mettre Mesmi Fleurant qui lui-même li bail position par rapport avec et déclaration Almagro par rapport avec position et Léon Charles par rapport également avec position Roberto Alvarez, qui c'est ministre Affaires étrangères dominicain. En outre, qui ça, moun canal yo même yo pral di la nan dossier OEA. En nous gardons ensemble. Oui, oui. Alors, qui ça gagne, faut nous ouer contexte là, et faut nous ouer tout qui ça sorti en dans réunion ça. Et réunion ça, c'est République dominicaine qui te mandé, son réunion extraordinaire, conseil permanent et organisation État américain qui était fait Washington. Mon qui était déplacé personnellement vient défendre dossier pour la République dominicaine, c'est ministre Affaires étrangères même Roberto Alvarez. Monsieur ça paraît, il fait toute déclaration, il dit même bagayo que il n'a fait un travail qui dommageable, que canal là doit camper, que canal là pas bon ni pour you, ni pour Haïti ni pour la République dominicaine. Monsieur Baba, il y a une bagaille pour nous aller plus loin là-dedans. Ça a été la réponse ferme de l'ambassadeur Léon Charles. Donc, à dire ça, c'est pour la première fois que le gouvernement haïtien, que l'État haïtien, parce que monsieur a représenté l'État haïtien, prend des décisions aussi fermes. Côté que les condamner toute menace, toute intimidation que la République dominicaine a fait sur Haïti. Ça, c'est important. Les condamner encore devant Assan, devant, et disons, Conseil permanent OEA, qui n'ont pas qu'être ambassadeur là-dedans, les condamner toute désinformation que la République dominicaine a fait sur Haïti. Et les bail à ministre Affaires étrangères de la République dominicaine, là, vraiment, ils ont une réponse, on a dit, qui musclée. Quand elle dit, monsieur, qu'on s'est dit, dit qu'il n'y a pas de bonne information, mettez une réunion 27 mai 2021 qui était faite. Et après réunion, bon déclaration conjointe, quand on dit que, après, on finit garder toute information que Haïti bon, que ça qu'a fait là, c'est pas un bagage qui va dévier la rivière là, c'est pas un bagage qui est dommageable pour la République dominicaine. Et ensuite, ça Haïti a fait, c'est dans le respect traité 1929 là. Monsieur a montré que parti dominicain là, ambassadeur Charles a montré que parti dominicain là, vient balan pile menti là. Et moi-même, m'a suivi, nous t'avons suivi et séance, non? Nous avons dit que l'ambassadeur Alvarez tellement énervé, le représentant la parole. Nous avons dit que Haïti campé son position, que Haïti dit canal pas campé, et que si vous avez des dégâts qui fait, et du côté de la République dominicaine, et du côté d'Haïti, c'est Haïti qui prend la responsabilité. Monsieur, ça tellement énervé. Monsieur, ça tellement énervé hier.
que monsieur même dit que l'ambassadeur a parlé d'agression, de menace que Haïti condamné et que c'est Haïti qui est occupé pendant 22 ans. Mm-hmm. C'est montre que monsieur a énervé et m'a dit mon bagage, avant que Malina spécifiquement dans l'UEA, je connais son petit bout de ma part avec nous, c'est que tout ambassadeur vient parler, que Costa Rica, que Panama, c'est-à-dire que tout pays, parce que l'ambassadeur représente les pays, yo, premier ça, il dit que la rivière Massacre, c'est sacré un cours d'eau partagé. Ça veut dire qu'il doit être clair pour Haïti, tant qu'il doit être clair pour la République dominicaine, que la rivière, ça n'a pas pour un monde. Que la rivière, ça n'a pas pour un pays, c'est pour deux pays que lié. Je regarde l'ambassadrice Costa Rica qui est claire. Elle dit que l'eau est importante pour le pays, est importante pile pour Haïti, est importante pile pour les paysans haïtiens. Je regarde que l'homme fin garde, l'homme fin tende, tout ambassadeur qui prend la parole, l'un après l'autre, eh bien, je ne dis pas que l'on prend pour Haïti, ce n'est pas comme ça, mais il aurait été dans sa droit international là, dit, à l'opposé de l'opposition dominicaine. Qui montre que bon, que ou pas gain droit, mais on dit que bagay la fait dans les règles de l'art, mais cependant, il est clair que l'eau sont ressources qui importantes pour tous deux pays. Moi, c'est que ça qui passe hier, son bagay qui est très important, parce que longtemps, de gain gros forum international, ça yo, faut gain yon moun qui vini qui défend l'intérêt pays. Parce que imagine que sous pas de parler là, eh bien, tout ça, Dominicain, il t'a pral dit, il t'a pral passé. Et enfin, avant de arriver dans ça, le secrétaire général a dit mission, il y a un côté que, et, pendant que l'ambassade et ministre Roberto Alvarez a dit, il n'a pas informé Haïti, c'est ça que M. Léon Charles, ambassadeur, a dit, écoutez, mais où même, ou décide de faire, ou rouvrir le canal la vigie, ou mettez combien de pompes sous lui pour pomper de l'eau la rivière Massacre, et ou même dit même officiellement c'est de l'eau ça va dévier la rivière pour nous, nous pas trouver. Je pense qu'il est important ça qui passe hier pour nous remettre dans le contexte là, pour ne pas dire seulement mes déclarations République dominicaine, mes déclarations Haïti, mais qui j'ai échangé tellement dur que mon qui t'a dirigé séance là, t'a dit s'il vous plaît mes amis, pas fait tac au tac. Moi-même, qui ça m'a dit rapidement sur question visite d'une mission de l'OEA? Si la mission de l'OEA, guerrier et Johnny, une mission de l'OEA en Haïti, ça va s'accueillir une mission conciliatrice, de conciliation, de médiation. L'on a conciliation, de médiation, ou pas dans l'ordre, ou pas dans le niveau d'un tribunal d'arbitrage, ou pas dans le niveau d'un tribunal international, côté qu'on décision qu'on prend. Ça veut dire que l'OEA, tant que les Nations Unies, tant que la France, tant que plusieurs entités internationales, t'as bien aimé chercher une solution pacifique, côté que nous pas obligés d'aller devant un arbitrage international, nous pas obligés d'aller devant un cours de justice internationale pour une décision prendre. C'est comme si qu'il y a cherché pour le voir que, est-ce que deux pays n'ont pas qu'à entendre sous question ça? Mais en aucune façon, d'aucune manière, une mission de l'OEA qui a joué un rôle de médiatrice, pas qu'à ordonner, dit, camper travail, ça pas qu'un droit fait. Non, c'est pas droit, yo, yo non sacré, yo médiation internationale. Mais Florent, mais l'éclair, oui, non, ça, yo dit, par contre, les émois qui trompent, l'éclair que yo parle de une mission juridique pour évaluer travail canal là. Donc, l'en prend mot à sens mot à évaluation. Donc, là, au fin évaluer. Yo gon travail yo fait, mais y a bien des rapports tout y a produit et dans rapport y a bien des conclusions, probablement des recommandations. Nous même c'est dans sens ça nous travail mission. Y a d'accord Johnny, mais yo pas qu'à prendre des décisions. Yo pas qu'à prendre des décisions. Là on dit que y a vienne avec des techniciens, y a vienne avec des juristes, c'est normal parce que si on bagaille qui touchait à droit international. OK, qui va regarder ça droit international là dit, qui va regarder ça traité que Haïti signé avec République dominicaine là dit. Mais de l'autre côté, nous-mêmes, tout en Haïti, nous sommes contents que l'ambassadeur Charles te dit un bagage. Nous-mêmes, tout en Haïti, font comme ça. Ou a pas qu'à prendre décision. Mais je vois si bagage arrive devant un conseil d'arbitrage, ou soit arrive devant la Cour internationale de justice, à ce moment-là, faut que le travail que nous avons fait, c'est un travail qui conforme aux règles, aux normes et aux standards. Ça fait que moi-même, un gros avertissement que je toujours dit, m'a répété là aujourd'hui. Je ne parle pas pour eux là.
ou la pa gen doit pas prendre décision son mission de médiation. Il y a vinn garder, il doit faire des recommandations, il doit dire bon, OK, nous que bagay là, gen ti bagay qui manque la donne, on peut arranger et bon bagay que Johnny dit, nous même nous doit tout profiter mander une évaluation générale de utilisation cours d'eau qui est le massacre là. Parce que usage là pas équitable, on pas gagner 11 à 12 travaux, 12 ouvrages que République dominicaine fait que nous pas fait. Mais ce bon de combat qui est essentiel, ça n'a fait à tout, il n'est pas doué dommageable. C'est dans ce sens ça que, comme M. Charles, il parle au nom de l'État, c'est dans ce sens ça me pensait que, aujourd'hui, plus que jamais, l'État doit intervenir. Lorsque l'État doit intervenir, pas oublier, moi, je m'écoute Johnny depuis avant hier, il est clair que c'était un projet de l'État. L'État a campé le projet. Population, paysans reprennent parce qu'ils ont nécessité de l'eau. Mais si on a pour nous prévenir à l'avenir, toute décision de justice internationale qui t'a appris, qui t'a dit oui, nous avons droit d'utiliser de l'eau, mais il n'est pas fait selon normes et standards, selon protocole technique que nous avons présenté à la République dominicaine en mai 2021, il est important pour que l'État vienne. Pas pour le mettre mon yo dehors, il faut que le comité arrête là, on a mettre campé, canal là, pas campé. Comité a nous fait confiance, nous fait moun yo confiance et nous élan ça qui fait pour Haïti. Mais cependant, il est très important qu'on y a pour qu'on regarde technique avancée, pour que l'État qui mette à disposition le comité, ou vini avec comité, pour mobiliser les ministères responsables, les équipements importants, pour mobiliser l'argent tout, pour que ça nous prenne le faire. Par exemple, prise ça, c'est une prise qui fait selon les normes et les standards. Parce que ça me fait tout le monde comprendre. Si on arrive dans l'arbitrage international, ou soit devant la Cour internationale de justice, on a dit bon, qu'il me décide que Mounsa ou pas qu'à venir là, ou pas qu'à venir garder, ou a perdu devant la Cour internationale de justice. C'est que Fon fait selon les normes et les standards, et puis fait selon les normes et les standards, l'État haïtien qui est bébé depuis un pile temps, l'État haïtien qui pas agi, je dis, l'État doit venir à côté population, à côté nation haïtienne. Que travail ça n'a fait, il fait selon les normes et les standards. Qu'on y a là, M. Fleurant, dans le travail, mission OEA, ça qui peut venir là, qui parlait d'évaluation à tous les niveaux, hein, que ce soit sur le plan juridique ou autre, qui force ou recommandation ou après le gain? Parce que je ne dis pas que c'est clair, au terme de visite ou bien au terme de mission OEA, il y a un rapport et il y a fait des recommandations okay, à peut-être Luis Almagro. Mais qu'on y a là, qui force? Qui force ou recommandation mission ça après le gain dans le conflit ça, si vous voulez, qui est opposé la République d'Haïti face à la République dominicaine? Moi-même, au point de vue strictement international, ça va être des recommandations que l'on a fait à deux pays pour que l'on suive ou pas suive. Et si l'on a un pays ou pas à suivre les recommandations, l'autre pays, un seul bagage qu'a fait, c'est continuer à aller devant une cour d'arbitrage ou une chambre d'arbitrage, excusez-moi, ou aller devant une cour internationale de justice. Parce que ça qu'a fait là, depuis c'est dans le cadre de médiation, il y a un cadre de médiation qui a une proposition, j'en dis, qui a une recommandation, mais pas qui a une sacrée des décisions imposables à toutes les parties. Mais bon, il y a un médiateur, le rivet qui s'en prend le faire, il prend le les parties, et puis il dit, mais qui j'aime comprendre bagaille là, mes recommandations me font pour que nous qu'a trouvé une solution amiable sans nous pas aller plus devant. Il faut être clair dans ce sens-là. Il y a un médiateur par là pour venir dire comme ça que mais ça doit faire, mais ça ne pas faire. Un médiateur là pour essayer d'arranger avec les parties, essayer de trouver une solution amiable entre les parties. C'est-à-dire que tout ça qu'a fait ni Haïti ni République dominicaine, ce sont des recommandations pour nous mettre fin à problème. Non. Mais ça qui est important, c'est que même lorsque son médiation, Haïti doit faire tout genre pour que lui-même lui prépare le dossier bien. Et au point de vue juridique, et au point de vue technique, et là, je dis au point de vue juridique et technique, c'est pas ouais, seulement le canal sur la rivière Massacre, c'est faire une évaluation générale de l'utilisation de cours d'eau international ça qui est le massacre. C'est que le moment arrive pour que nous-mêmes nous profiter même par rapport à ça qui passe. Parce que je dis un bagage encore, que je t'ai oublié de dire. Pendant que tout le monde a fait République dominicaine réponse à eux,
Eh bien, M. Roberto Alvarez, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, t'es obligé de répliquer à l'ambassadeur Léon Charles, dit un bagage qui est très important. Monsieur a dit que l'obligé de reconnaître devant tout le monde que la République dominicaine n'a pas qu'à opposer à ce que Haïti utilise de loi. Nous avons un bagage qui est totalement différent que Léon Campé, l'autre bois en République dominicaine, il a dit aux propriétaires de loi. L'OA prend naissance en République dominicaine, là elle tombe dans la mer en République dominicaine, que c'est titulaire propriétaire de l'OA, mais devant Forum international, ça, devant Conseil permanent, Organisation des États américains, je suis obligé de reconnaître ça que l'on souveraineté partagée sous ressources-là. Et je pense que ça, c'est une grande victoire encore pour Haïti, parce que l'arrivée d'un gros Forum international, ça veut dire, c'est que le monde qui a parlé, ce n'est pas le sentiment qu'on va faire parler. C'est l'effet, c'est le droit qu'a fait au parler. Et M. Vingade, que tout le monde qui prend la parole après dit un seul bagage. Mes amis, il faut nous entendre, nous, de l'eau, ce n'est pas un bloc pour un pays, c'est de l'eau pour deux pays liés. C'est dans ce sens-là que moi-même, ou qu'a toujours gagné en médiation de l'OEA, par exemple, Haïti ne doit pas accepter en médiation de l'OEA. Ou qu'il doit venir en médiation, par exemple, des Nations Unies, ou qu'il doit gagner en médiation, par exemple, du Vatican, ou qu'il doit gagner en médiation de la France. Yon médiation veut dire, tous deux pays ont accepté médiateur là, ils ont accepté que médiateur là vini, médiateur vini garder, et après médiateur pas pour faire recommandation à l'Assemblée générale ou à qui pour prendre décision, non, il pour faire des recommandations au parti, puis ouais, qui j'en parti ou yon même yon qu'a trouvé une solution amiable entre eux. C'est ça. C'est comme si en Haïti, ou qu'a un problème avec un monde, au lieu que vous allez devant un juge, enfin, ou qu'on voisin qui dit, bon, ok, venez là, entendez-nous pour laisser nous entendre. Et voisin, ça, c'est pas une décision de justice qui a pris. Il y a un médiateur qui a pris des décisions de justice. Période. Vous entendez, Mesmi, Florent, qui lui-même, t'a baillé position pâle dans le dossier OEA. Nous-mêmes, compatriotes haïtiens, mieux, frères, mieux, nous avons un grand service, nous prenons le rendre moins. Moi voulais nous rester vigilants, moi voulais nous rester veatifs dans cause émission expert OEA ça. Parce que nous fait expérience politique avec OEA en Haïti. Nous est influencio, nous est forcio, nous est côté au mettre pays de point de vue politique, nous choisi président mettre. Ancien président Préval, il fait déclaration. Nous te comme tout détail ça yo choisi maté li meté voyer Jude Celestin aller al faire deuxième tour nous comme tout l'obeille OEA impliqué dans question politique en Haïti que ce soit sous famille Lavalas avec Aristide nous comme tout dégâts OEA fait en Haïti est-ce que OEA est-ce que n'importe organisation régionale mondiale tant que Nations Unies ka voyer en commission d'expert en mission d'expert en Haïti oui est-ce que nous devons respecter à la lettre ça yo pral bay comme recommandation, ça yo pral faire comme proposition, non. Et c'est là tout, n'a profité ton autorité haïtienne nou yo. N'a ton Ariel, n'a ton Jean-Victor Généris ak tout l'autre monde qui représente diplomatie haïtienne nan. C'est pas seulement dit canal nan pap campé, mais si vraiment nous voulons pour wè canal nan réussi, pour résultat porté pour nous joindre de l'eau, pour paysans joindre de l'eau, pour ouzer jardin yo. Jean comité canal la te prévoil et 18 novembre canal la inauguré. Nous gagnons des séries de bagages, nous gagnons action pour nous poser. Tout ça qu'a dit là dans OEA, dans Nations Unies avec États-Unis, toutes ces théories. Toutes ces théories. Qu'on y a pratique là se mettre pied nous à terre. Pratique là c'est vini. Moun yo k'ap travay sou chantier ya. Moun yo kap travay nan pito belan la, yo bezwen de seri de matériel. Gen matériel sa yo disponib nan travaux public. Pou ki sa matériel yo pa jam ka rive a jwenn moun yo? Matériel sa yo pou ko jam ka rive a jwenn moun, de seri de anjen lourd. Pou yo fouye, pou yo ka fè curage, yo pou ko jam ka jwenn yo. Si vraiment canal la pap kanpe, matériel yo disponib, c'est l'argent taxe, c'est l'argent impôt nou akompaye moun yo. Mete matériel disponib pou yo. Donc c'est ça, c'est à partir de l'action ça yo, nous pralouer véritablement, est-ce que ça l'État haïtien dit, est-ce que l'action yo pose à yo cohérent? Nous besoin cohérence. Nous pas seulement vle parole, nous vle action. Et si m'ta wè nan moment n'a parlé à la, l'État haïtien ta pren disposition pour yo fouyon deuxième canal, pendant que premier avant qu'on finit, c'est ça que ça net.
C'est pas que ça net parce que là nous nous t'a pressé pas seulement parler mais gien action qu'a fait. Nations Unies a veillé OEA veillé moi pas avlé pour n'al prendre aucun piège. Canal là pas camper mon doigt de passer déjà et tout haïtien nous fait fusion pour un seul bagaille. Pour canal là. Donc nous obligé caler genou pour nous pas prendre dans coup de bas pour nous pas prendre dans mira. Jean OEA toujours aimé faire avec Haïti. L'autre dossier qui est extrêmement important et dossier ça est toujours en actualité, hein, c'est dossier déploiement force multinationale. Il n'est pas un secret pour personne que dossier ça au niveau international et surtout dans le pays Kenya et il y a pile fil à retordre qui baille. Et parlement et Kenya à Panarance, nous gagnons également et tribunal Kenya puis au instant judiciaire dans pays Kenya qui lui-même li prend position tout dans dossier déploiement force multinationale là, mais ça pas empêché que sujet a li toujours d'actualité puisque il y a deux réunions qui pour faire en dedans Conseil de sécurité Nations Unies, youn 19 et octobre qui gen pour venir là côté que pral gon les sanctions on liste moun yo pral sanctionner qui pral gen pour sortir et des personnalités politiques moun ki nan secteur privé en passant fort moins tout dit nous et gagnent Karl Braun qui c'est qui était président et conseil administration Unibank il était tombé en bas sanction pays Canada parce que yo estimé le c'est une nan moun ka financé gang qui gen droit li tremper dans insécurité à toute longueur et bien mon cher a remettre démission li pas membre conseil sécurité et li pas membre conseil administration Unibank encore dans moment n'a parlé à là et bien toujours dans le dossier insécurité, hein? Eh bien, il y a une délégation qui a sorti droit direct dans le pays Kenya qui gagne pour rentrer à Haïti semaine prochaine. Mais date exacte, là, l'hypokobay, selon ça, ministre Affaires étrangères Kenya, Moustalia Mudavadi, fait qu'on est. Donc, Napton pour nous, ouais, qui ça cap gagner pour faire parce que nous connaît automatiquement yo vini yo pral gagner divers moun yo pral rencontrer yo pral gagner diverses personnalités yo pral rencontrer li évident que Ariel sont pas capable allier li évident que mini justice sont pas capable allier même elle va prendre merde et li gagner pour le rencontrer avec héros état major la police. Et rencontre ça, visite délégation, ça, il prend une deuxième délégation, il a fait non l'idée pour regarder et comment il a joindre plus d'informations possibles, plus d'informations crédibles pour le présenter 26 septembre, quand il pour venir là devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que l'on veuille ou non, et Jean et gagné diplomate et Pierre-Antoine Louis qui te dit, et Piro. Pi gros instant judiciaire dans pays Kenya pas ka empêcher déploiement yon force multinationale que Nations Unies que Conseil sécurité Nations Unies ordonné ka toujours gagné des retards et dans pays Kenya la loi Kenya constitution dans pays Kenya bay possibilité à de simples citoyens suite avec une pétition que yo fait yo voyer aller dans un tribunal yo voyer ba yon juge pour yo mande compte sous gestion qu'a fait de l'argent paysan mande compte sous et gouvernance qui a fait et en dedans institution mande compte à autorité sous façon y a prend décision et c'est dans objectif ça que o te joine des membres dans opposition et dans pays Kenya ou te joine des parlementaires dans pays Kenya yo te choisi signer ensemble une pétition pour yo mandé président William Ruto pas comprendre comment faut dire ou pral voye police ou pral voye militaire dans pays d'Haïti alors que la caï nous gen ti problème tout donc c'est dans logique ça c'est parce que constitution dans pays Kenya bay moun yo possibilité ou bay plein pouvoir suite à une pétition pour yo saisir la justice pour yo mandé autorité au compte donc pour diplomate Pierre-Antoine Louis décision justice ça pas jam ca sur il pas bon et pas sur soi non parce que là sur soi avec déploiement sur soi là ça veut dire il faut camper sous déploiement mais le pas jam ca empêcher disons déploiement en fait
ka toujours gen retard dans déploiement, ka toujours et date changer, mois changer, etc. Mais le pape jamais ka empêcher que déploiement fait. Donc son dossier n'a suivre de près, son dossier n'a suivre de très près pour nous connait qui évolution k'ap gagner pour même pour être connecté. Mais en attendant, on a dit que dans ça qui gen pour avec dossier l'église épiscopale d'Haïti, son véritable scandale qui gen là dans moment n'a parlé hein, puisque gagner juge instruction Martin Jean-Claude qui lui-même qui t'est en ordonnance qui t'est retiré non pas l'église épiscopale d'Haïti comme quoi moun yo pas rien pour avec dossier ça c'est faux on c'est en follette franchise que Chikungo Zovun la te prend et pour te al faire pal pour te monter association malfaiteur li etc pour te faire zam rentrer et bien gagne commissaire gouvernement Port-au-Prince Met Edler Guillaume, qui était lui-même, li te interjeté appel de ordonnance. Ça veut dire qui ça? Ordonnance sorti dans tribunal, qui dit que, pè l'église épiscopale, yon pa gen rien pour avec trafic zam, pa gen rien pour avec trafic munition, moun sa yon pa jen charge contre yon, pa retenu aucun charge contre yon. Alors que nous connaît dossier cargaison zam l'église épiscopale, j'en te secoué la République. Tout moun te saisi, pas gen moun ki te ka pense que père l'église ta pral implique nan question trafic zam. Tout moun te trouve bagay sa an ti jan bizarre. Eh bien, comme dossier trafic zam l'église épiscopale la, et commissaire gouvernement comprenne que li te fait société à tort, li te fait société à mal, donc li estime que ordonnance qui sort, ordonnance que j'ai instruction Martin Jean-Claude Rand qui dit que père l'église épiscopale yo pas coupable, li lave yo, li clean yo, reprend, li bien propre mon père yo, eh bien commissaire a décidé faire appel côté que et yon pi haute instance pral gen pour statuer sous décision hein, est-ce que effectivement pas gen aucun charge qui retenu compte et père yo est-ce que toute preuve yo te bay yo montré que père yo pas coupable ou bien c'est seulement corruption qui a fait dans tribunal là. Donc son dossier pour nous suivre de très près pour nous connaître exactement dans les jours à venir les semaines à venir qui ça résultat définitif là li a pied. Et bien avant m'aller faut que moi dis nous et dernières informations qui vivent joindre moi là puisque me dit dans commencement émission n'a prêté focus n'a prêté connecté pour joindre tout update qui gagne sous frontière là et bien et message en était passé assurément il rive joindre et autorité municipale yo li rive joindre magistrat Demetrius li rive joindre délégué départemental là vice délégué donc yo prend toute disposition là pour commencer font visite dans marché wana maintenant al gade, al fè yon évaluation de produit machin yo avann yo. Est-ce que produit ça c'est produit qui tout neuf, est-ce que c'est petit produit qui sorti dans contrebande en bas fil la caille voisin hein? Donc yo ap gade pour yo wè qualité produit yo, fraîcheur produit yo, vous comprendre et pour yo évaluer qualité quantité marchandise machin yo gagne. Pour yon, est-ce que c'est pas produit contrebande qui sorti en République Dominicaine qui rentre? M'rete quoi son très bonne initiative si yon kembe le konsa, si yon continue le konsa. Donc, yon a forcé ma chan yon pour yon respecte rek jouet lan, qui se nou pas acheté aucun mal propre la kaye voisin encore. C'est pour ça notre bataille pour nous construire canal nous, pour nous mettre manger la kaye nous, pour nous mettre manger dans bol nous, pour nous mettre manger sous table nous. Donc, avant m'aller, on l'a dit une dernière fois, on l'a fait un peu exhorter chaque grand haïtien, que en Haïti, que en diaspora, pas négliger poté coller, pas négliger faire solidarité, hein, pas négliger faire tête ensemble, non. Parce que canal lancé pour nous là bon canal lancé ce qu'a figi pays nous n'a pour rejoindre bac nous pral prendre bac dans mes dominicains au cap marcher sous nous cap marcher sous fierté nous donc si nous voyons canal yo paniqué gloire pour qu'on même rive pour aller ouzer jardin pour paysan yo al faire manger yo paniqué donc dites tout bien et là nous commencer faire manger Hélène commence à fouiller un deuxième canal c'est pas menace qu'on a fait il y a pas attaqué nous ouvertement donc créole parler créole comprendre Haïti nous voulons c'est nous mêmes qui pour construire c'est nous mêmes qui pour bataille pour lier c'est nous mêmes qui pour défendre ça nous gain là je ne je dis c'est un véritable plaisir pour me avec vous dans l'émission jeudi hein. Et déjà, je vous souhaite un très bon week-end. Pas négliger et enjoy you. Pas négliger, partager plus l'amour et toujours songer qu'un bé énergie de positivité. Toujours make sure que vous allez des ondes
positif sur vous, rejeter en négatif, repousser moun ki toxique yo sur vous, parce que la vie a trop coûte. La vie a trop coûte pour n'ap entouré de moun ki toxique, de moun k'ap créer problème, de moun k'ap fait drama toute la journée. C'est l'amour n'ap bay, c'est l'amour nous gè pou n bay, c'est l'amour n'ap partager pendant que n'ap kembe ou informé. Restez connecté à la plateforme nan pour reste programmation. Hein? Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'a bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Wow.